Break every chain. Break every chain. Break every chain. Yeah, to break every chain. Break every chain. Break every chain. Let's do it together, there is power. Il faut savoir qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Qui brise toutes les chaînes. Break every chain. 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 Mais céleste. You got it. Rising up. Rising up. And this is what we talk about. Oh, alléluia. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Lift up your voice and say it. Break every chain. Break every chain. Break every chain. Here we go, say there is power. There is power in the name of Jesus. Come on, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Croyez, 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 croyez. In the name of Jesus, say there is power. There is power in the name of Jesus. Break every chain, break every chain. The chains are broken. La chaîne est en train de se briser, les chaînes se brisent. Ok, croyez ça. The chains are broken. Alléluia. The chains are broken. Chains falling. J'entends les chaînes qui tombent. Oh, alléluia. Il faut entendre ça. Il faut voir ta délivrance. De se briser. Alléluia. Break, break, break. Chains. Break. C'est comme ça, il faut parler à la puissance du mal. Break. Ouvre ta bouche, parle. Alléluia. Break. I command you to break. Break. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe à l'ordinateur, ok. Ok. There is power in the name. Ok. Aujourd'hui, je vais parler de
le nouveau de miracle de Dieu, ok? Le nouveau. Je vais parler des offrandes, ok? Ok, que Dieu vous bénisse, c'est de ça que je vais parler. Ok, je ne sais pas c'est quoi ici là. Ok. On va écouter ça d'un peu là. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler du nouveau de miracle de Dieu. Ok, le nouveau de miracle. Et je vais parler en même temps de 10% et tout, parce que il y a quelqu'un qui me posait des questions. Ok, si vous êtes en train de poser des questions aux gens comme moi qui ont la connaissance, il faut être prêt pour recevoir, quoi, parce que le nouveau où je suis là, c'est un nouveau élevé. Donc souvent ce qui se passe, j'essaie d'emmener la personne au nouveau où je suis là, ok, et ça crée des paniques, vous voyez. Donc ça dépend de la foi de tout un chacun, ok? Donc, j'ai fait une vidéo où je parlais de la dîme, je parlais de 10%, 10%, 20% jusqu'à 30% et plus, ok? Donc, c'est bien de poser des questions aux gens comme moi. Et il faut être prêt à écouter et accepter. Si vous n'avez... Écoutez, le problème est que si vous n'avez pas confiance en cette personne-là, ne posez pas de questions.
ça ne sert à rien de poser des questions. Et les questions de connaissance. Et lorsque la personne est en train de vous montrer quelque chose, ben, pourquoi la personne au fait est paniquée? Parce que la personne, un, n'a pas confiance ou la personne ne connaît pas cette personne, ok? Lorsque tu connais bien la personne qui est en train de te parler, lorsque tu as confiance en cette personne-là, tout ce que la personne va dire, là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas à la lumière de l'écriture pour vérifier, ok? Pour vérifier, tu prends la parole, tu vérifies. Et c'est ça, en fait. Il faut... Si tu poses une question à une personne, il faut s'assurer que tu crois en cette personne, tu as confiance en cette personne, parce que lorsque tu as confiance, ce que la personne va dire, tu vas prendre ça au sérieux, tu vas l'appliquer dans ta vie et tu vas voir les résultats. Mais lorsque tu n'as pas confiance là, vaut mieux aller là où tu as confiance, ok? Si tu n'as pas confiance en cette personne-là, ne lui pose pas des questions. Va là où tu crois, ok? Il y a beaucoup de personnes qui enseignent. Il y a beaucoup de personnes qui enseignent. Moi, j'ai les pasteurs, il y a les gens que j'écoute, que je respecte. Lorsque je regarde leurs vidéos ou bien ils disent quelque chose, je le mets en pratique. Et je vois les résultats dans ma vie. C'est la même chose. Donc, tu veux savoir quelque chose, tu poses la question à la personne. Et lorsque la personne est en train de te montrer, ce sont des gens qui n'ont pas confiance au fait. Souvent, c'est Dieu qui te conduit quelque part. Souvent, Dieu te conduit là où tu as besoin de cette chose-là. Souvent, c'est comme ça. Dieu te conduit. Tu penses que, souvent, les gens pensent que c'est par hasard qu'ils sont tombés sur cette vidéo. Non, souvent, c'est la grâce de Dieu qui t'accompagne là-bas. Souvent, c'est Dieu qui te... La présence de Dieu qui te conduit vers cette personne-là pour t'aider. Au fait, si tu as besoin de l'aide, il y a de l'aide que tu as besoin, il y a des connaissances que tu cherches. La présence de Dieu te conduit là où on peut t'enseigner. Et il ne faut pas paniquer, quoi. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas te traumatiser, vous voyez. Si tu ne fais pas confiance en cette personne-là, regarde les vidéos, regarde, va dans les vidéos, regarde, cherche. Ok, cherche à savoir, ben, en tout cas, regarde les vidéos, quoi. Et moi, si quelqu'un vient chez moi, si tu me poses des questions, je te dis la vérité. Que ça te choque ou pas, là, que ça, je ne sais pas, mais je te dis la vérité, quoi. Je ne cache rien. Tu me demandes quelque chose, je te parle. Je te montre, en fait. Je te dis la vérité. Donc, ce qu'on peut faire, si tu n'as pas ce niveau de connaissance-là, tu peux prévenir, tu peux dire, ok, je me rappelle, lorsque j'essayais d'enseigner quelqu'un qui était proche, la personne est proche de moi, quoi. C'est comme la famille, quoi. La personne m'a dit, ok, Chantal, tu sais quoi, moi, je veux essayer ici, là, parce que c'est ici que je suis confortable, ok? Donc, là où tu te sens confortable, reste là. La personne m'a carrément dit, non, Chantal. Une fois, la personne m'a dit, oh, ce que Chantal est en train de faire là, moi, je ne peux pas faire. Hein? Vous voyez, donc, c'est ça, quoi. On est différents. Moi, ma foi, là, elle déplace les montagnes. Donc, je ne suis pas limitée avec ma foi, quoi. Elle brise tous les chaînes, déplace les montagnes. Moi, je me limite pas avec Dieu, quoi. Je ne suis pas... Oh, c'est ça, quoi. Donc, ce que je voulais dire à la personne, là, j'ai tellement parlé, c'est comme si j'ai gaspillé mon temps là-bas. Donc, prochainement, je fais les vidéos et si quelqu'un a besoin d'aide, je vais dire à la personne, va dans mes vidéos, cherche là-bas et puis c'est mieux au lieu de perdre mon temps.
et voir que ben, ce que j'ai fait là-bas, là, ce n'est rien. Donc, j'ai décidé de venir parler de ça. Lorsque je parle de 10% des choses comme ça, j'ai dit aux gens qui n'ont pas, qui leur foi là, je sais pas, c'est, qui sont nouveaux dans les nouvelles personnes dans, comment on appelle ça, les nouvelles personnes en Christ. Commencez petit. Si vous croyez aux données là, ok, je vais parler de ça parce qu'il y a quelqu'un que je veux aider et je vais en profiter pour aider tout le monde. Si vous croyez, la personne croit aux 10%, si tu crois aux 10%, commence petit. Commence petit quoi. Ok? Commence avec 10%. 10% c'est quoi? C'est une façon de... C'est une façon que Dieu utilise pour que tu lui fasses confiance. C'est tout. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Sans ton argent là, Dieu... J'avais dit l'autre fois, Dieu peut utiliser les pierres pour le louer. S'il est capable d'utiliser les pierres pour le louer, c'est pas ton argent que Dieu il a besoin. C'est au fait, lorsque toi, tu veux obtenir quelque chose de Dieu, c'est là que tu pratiques ça. Tu n'es pas obligé de donner l'argent à l'église. Tu n'es pas obligé sans ton argent ou avec ton argent. L'œuvre de Dieu va toujours avancer. Il y en a qui combattent les 10%, il y en a qui ne croient pas aux 10%, mais ça, eux, là, ça avance. C'est pas obligé. Que tu crois ou pas, que tu mets en pratique ou pas, ça va pas déranger quelqu'un. Ok? Lorsque je ne croyais pas, ça a seulement affecté moi, ma vie. Ça n'a pas affecté la vie de Dieu. Donc, en croyant au fait et en le mettant en pratique, tu te fais du bien toi-même. Ok? Le ciel s'ouvre sur ta vie et les choses qui sont au ciel, là, ça descend sur ta vie, ça te bénit. Donc, lorsque tu n'es pas prêt pour écouter, là, ne pose pas les questions. Ne va pas là où c'est élevé. Là. Pose les questions au niveau de 10% là, et puis reste là. Ok? Reste au niveau de 10% là. Si tu donnes, tu ne donnes pas à l'église, l'œuvre de Dieu, ça va toujours avancer. Il aura toujours quelqu'un qui va croire. Et Dieu peut utiliser la seule personne qui croit là pour faire avancer son œuvre. Où je suis là, si vous écoutez, si vous m'avez écouté parler pendant des années, si vous me connaissez il y a longtemps, je dis toujours, moi, mon mari ne croit pas à ça. Il ne croit pas à ça. Ça n'empêche pas Dieu de me utiliser, de donner. Mon mari ne croit pas à ça. C'est pas pour ça qu'on va se séparer. C'est pas pour ça qu'on va divorcer, non. Il y a des gens qui peuvent croire. Il y a des gens qui ne croient pas. On avance. C'est pas forcé de donner l'argent à l'église. C'est pas forcé. Mais si tu veux que ta vie change, tu veux recevoir les choses de Dieu, les choses de Dieu là, on ne les reçoit pas comme ça. Tu donnes et Dieu te donne. Tu donnes, c'est dans la parole. Tu donnes et Dieu te donne. C'est comme ça. Le nouveau 10% là, c'est un nouveau où c'est pour toi-même quoi. Ta vie, tu peux pas, ta vie ne peut pas influencer les autres personnes. Ça veut dire que tu vas rester là-bas. C'est un nouveau bas, le nouveau de 10% là, c'est un nouveau bas. Si tu veux, tu peux rester là toute ta vie, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'aller au ciel. Ce n'est pas ça qui va faire que tu ne seras plus sauvé. Ça n'a rien à voir. Pour être sauvé là, c'est la grâce de Dieu. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ pour te sauver de tes péchés. Ça n'a rien à voir. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu es sauvé. Ça n'a rien à voir avec ça. Si tu veux recevoir maintenant, après ça, là, après la repentance, tu es devenu enfant de Dieu. Lorsque tu veux que ta vie change, lorsque tu veux que la vie
tu veux aller de gloire en gloire et tu es là, tu dis, tu as besoin de telle chose à Dieu, tu as besoin de ça pour que Dieu puisse ouvrir une porte pour te bénir. Là. Tu dois aussi donner aux pauvres. Lorsque toi tu donnes, à travers le donner là, Dieu te donne aussi. Lorsque tu fais du bien, lorsqu'il a dit, si tu donnes à manger à celui qui se prive, si tu donnes à boire, si tu donnes les habits à celui qui n'a pas d'habits, c'est à moi que tu es en train de faire. Et pour cela, il te bénit, il ouvre une porte pour toi. Si tu veux, tu n'as pas besoin de faire. Ok, tu n'as pas besoin de faire, c'est pas pour cela, il ne va pas pleuvoir sur ta tête. C'est pas pour cela, tu ne vas pas recevoir la pluie. Le méchant, il fait lever le soleil. Il fait pleuvoir sur le méchant, sur la tête du méchant et le bon. Donc, ce n'est pas ça qui va vraiment empêcher Dieu de te... Vous voyez? Ce n'est pas ça. Moi, je le fais parce que je veux que ma vie change. Si tu veux que ta vie change, alors tu t'engages dedans. Et lorsque tu veux t'engager là, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Enlève cette peur. Faut pas. Il faut. C'est le nouveau de. Lorsque on parle de 10% là, c'est au fait la confiance. Si on t'arrache ça là, est-ce que tu peux toujours faire confiance à Dieu? Si tu prends. Vous voyez, c'est le nouveau. Moi, c'est ce que j'ai vu. Hein, c'est le nouveau de la confiance. OK? C'est ça au fait. OK? C'est pour faire. C'est pour développer ta confiance. C'est ça quoi. Moi, c'est ce que je trouve. Hein. Il n'y a rien d'autre. C'est ça que je trouve, la confiance. Et si tu vas faire confiance à Dieu, si tu n'as pas l'argent, si tu donnes tout ce que tu as, est-ce que tu vas... Il a même dit aux riches. C'est dans la Bible. C'est dans Luc. Je ne sais pas combien là. Je pense Luc ou bien chose. Il a, je pense Matthieu ou Luc là. Donc, je n'ai pas pris le verset. Il a dit aux riches. Le riche, qu'est-ce que le riche voulait? La vie éternelle. OK? C'est au fait ça, quoi. Le riche, il a demandé comment faire pour... Je ne sais pas. C'était la même chose. Tu es en train de poser des questions et on avance. On est en train de te répondre. Et après, tu fuis. Et après, tu te paniques, OK? C'est comme ça, le riche, il a commencé à poser des questions à Jésus. Et Jésus a commencé à répondre. Il voulait des grandes choses. Et si tu veux des grandes choses, il y a un prix à payer. Hein? Il veut des grandes choses. Il dit, comment faire pour être sauvé ou bien comment faire pour recevoir? C'est ça, Jésus lui a dit, si tu veux... avoir la vie éternelle. Vous voyez, le riche voulait la vie éternelle. Donc, il voulait un nouveau haut. OK? Donc, si tu commences un peu là, à ton nouveau bas là, ça va, tu restes là. Mais si tu poses des questions, c'est ça en fait. Les gens, ils posent des questions. Lorsque tu leur réponds, ils fuient. Ils prennent la fuite. Tu dis, tu veux grand. Et on te montre comment aller au nouveau haut là. Tu es paniqué. Non, il faut arrêter ça quoi. Il faut arrêter ça. Où tu restes à ce nouveau là? Le riche a dit qu'il veut recevoir la vie éternelle. Et Jésus lui a dit, OK, tu es prêt? On y va. Va vendre tout ce que tu as là. Donne l'argent aux pauvres. Et il a fui. Vous voyez, tu te poses des questions, on te répond, tu prends la fuite ou bien tu es paniqué. Non, on te dit la vérité. Voici comment ça marche. Si tu veux rester au niveau de 10%, reste au niveau de 10%, rien ne va bouger là. Il n'aura pas de miracle. Il n'y a rien au niveau de 10% là. Ça va, tout va aller dans... Ça va, le nouveau là, c'est le nouveau bas. Tu peux aller, tu peux rester là et puis mourir, aller au ciel. Il n'y a pas de problème.
Mais si tu veux monter en haut là, on te dit les conditions là, ça ne t'arrange pas, mais ne le fais pas, c'est pas obligé. C'est pas obligé, je disais à la personne, tu n'es pas obligé, tu n'es pas, plusieurs fois, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé, tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'es même pas obligé de donner l'argent à l'église si tu ne veux pas. C'est ton choix. C'est ton choix. Tu veux rester là où tu es, ben ça ne dérange personne, ça ne va pas déranger Dieu. C'est quand tu veux un changement dans ta vie. Moi, en 2011, oui, c'était en 2011, je sentais qu'il y avait un démon là quand je veux. Vous savez, souvent, il y a un niveau de gloire que tu dois atteindre. Tu dois aller de gloire en gloire. Donc, il y a un nouveau là. Souvent, quand tu pries, si tu es nouveau dans la foi chrétienne ou nouvelle dans la foi chrétienne, tu pries. Il y a des nouveaux que tu ne peux pas aller. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Souvent, tu es en train de prier et puis tu sens que tu as sommeil. tu vois que tu veux ronfler. Il y a un démon qui est là que tu dois combattre. OK? Donc, ou bien tu te sens fatigué, vous voyez, il y a des étapes où, qu'est-ce que je peux dire là? En tout cas, il y a des lieux que tu ne peux pas franchir, ok? Tu ne peux pas dépasser, pour dépasser là-bas, pour passer, pour traverser, il y a quelque chose qui te cale, ok? Donc, je sentais que lorsque... Je vais prier, je prie. Lorsque je vais aller en profondeur, je sens que l'homme d'un démon, en tout cas, n'ayez pas peur, quoi. Les démons, ils ne sont rien. Jésus les a vaincus. Il ne faut pas avoir peur de ce que j'ai dit. Ils ne sont rien. Je sentais par mes ongles, dans mes doigts, lorsque je voulais aller vraiment en profondeur dans ma prière, je sens un esprit. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? OK? J'étais dérangée, quoi. Et en décembre 2011, je me suis dit, oh, je suis tellement dérangée. J'ai écouté, passer plus de temps avec les messages comme ça, les témoignages, passer plus de temps pour vous, vraiment, pour vous informer, pour, vous voyez, non? Passer plus de temps aux gens, avec les gens qui témoignent, quoi. Vous allez comprendre plein de choses. Donc, je sentais ça et je me suis dit, OK, on en descend. Je veux être libérée. Donc, je vais faire un dépôt à l'église. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a obligée. C'était moi-même ma foi. OK? On ne m'a pas obligée. On n'a pas mis couteau sur mon cou pour dire, tu ne donnes pas là, tu ne vas pas aller au ciel. Non, c'est moi-même ma volonté. Et lorsque je faisais ça là, je ne savais même pas que j'allais être délivrée. J'ai seulement dit que je veux que ma vie change. Je veux que ma vie change. C'est comme ça, je sentais ça, je dis je veux que ma vie change. Et les choses qui me dérangent là, je veux être délivrée, quoi. Donc, je vais donner la grosse somme. J'avais une grosse somme, je dis ben, je vais tout donner à l'église. Et j'ai fait ça. OK? Dans la même semaine, j'ai été délivrée. Vous voyez? Donc, je pouvais... Le démon, là, ce qui est là, ça ne va pas me tuer. Seulement, je n'avais pas traversé le nouveau que je voulais atteindre. Je ne pouvais pas affranchir sans faire un don. J'allais bloquer, j'allais rester là. Et si je vais au ciel, je vais être... Je suis déjà sauvée parce que j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Je vais être sauvée. Ce n'est pas ça qui va. Seulement, je vais être bloquée dans d'autres parties, quoi. Les trucs là, ça allait rester là. OK? Donc, c'est comme ça. Et quand j'ai vu ça là, je me suis dit, waouh! Voici ce que j'ai donné et puis voici ce qui s'est passé. J'ai eu la confiance et la foi encore. OK? Et j'ai continué à donner 10%. J'étais dans 10% pendant longtemps. Rien n'a bougé. Rien, mes livres, tout est là. Rien ne bouge. Des choses comme ça. Je me dis, mais c'est quoi ça là? OK?
Donc, si tu veux aller, si tu veux recevoir, si tu veux que le ciel s'ouvre, c'est autre chose. Tu ne restes pas au niveau de 10%, là, ok? Donc, j'essayais d'aider quelqu'un parce qu'il me posait les questions. Et puis, je lui parlais tranquillement, là, ok? Et après, je vois qu'il est paniqué. Donc, c'est ça, quoi. Tu peux rester là, tu peux ne rien donner à l'église et être sauvé, au fait. Mais si tu veux recevoir des grandes choses, tu augmentes un peu. Tu passes de 10% à 20%. Tu essaies, tu peux faire ça une année, deux ans. Vous voyez? Tu peux aller, tu peux faire 30%, ok? Une année, deux ans. Pourquoi ça? C'est pour faire confiance à Dieu. Parce que en faisant ça, Dieu va montrer sa face. Plus il te montre sa face, plus il te montre que c'est bien ce que tu es en train de faire là, plus la confiance s'installe. Plus la confiance s'installe. Et là, tu peux passer à 50%. Doucement, doucement. On ne vous dit pas de tout d'un seul coup, tu rentres dedans, tu plonges dedans et puis... Non. Allez-y doucement, quoi. Allez-y doucement. Le nouveau où moi je suis là, c'est le nouveau des pasteurs. C'est le nouveau des appelés. Nous là, on ne fait pas des petites choses. C'est le nouveau des pasteurs. Ok? On ne fait pas des petites choses. Donc, voici ce qui s'est passé. C'est comme ça, je suis allée jusqu'en haut. Mon niveau, là, c'est très élevé. Je ne suis pas à 50%, vous voyez. Donc, voilà quoi. Et un jour, je pense deux ans passés, voici la question qu'il me posait. Ben, je vais parler comme ça, ok? Si quelqu'un te donne l'argent, au fait, la personne te donne l'argent, c'est pour toi. Ok? Si tu connais Dieu, si tu as développé cette confiance avec Dieu, la personne t'a donné l'argent, moi on m'a donné l'argent pour voyager. C'est pour moi. Je peux faire ce que je veux avec. Donc, j'ai fait ce que je veux avec. Je n'ai pas voyagé. C'est une grosse somme.